Je suis le commandant Sébastien du Battle Lab Terre et je suis ici à Saint-Cyr Coetquidan à l'invitation du CREC et de la première brigade de l'EMIA pour leur démonstration de drone. L'apport d'un drone filaire, déjà c'est la permanence de l'observation. C'est quelque chose qu'on peut avoir en permanence au-dessus de nous pour garantir une observation 24 heures sur 24. Donc ça devrait pouvoir aider, voire suppléer les hommes qui sont déployés en opération sur une FOB, une base temporaire. Alors ce qu'on a pu observer là, lors des différentes séquences qui ont été jouées, hein, le drone Orion était là en permanence, donc on a pu observer toutes ses qualités, des qualités très appréciées en termes de permanence d'observation, de profondeur d'observation. Hein. On a pu constater qu'il était capable d'observer à plusieurs kilomètres aux abords et autour de la FOB. Les cas d'usage, ils sont en opération extérieure, sur des bases temporaires. L'avantage, c'est la faible empreinte logistique de ce système, un groupe électrogène, un drone qui se déploie assez rapidement. Et si on reste peu de temps à un endroit, on peut le déployer assez facilement et en toute autonomie. Donc ça, c'est typiquement sur un théâtre sahélien, où il y a des découvertes importantes pour voir arriver au loin une menace, c'est un outil sans doute assez efficace.